Bonjour, donc le groupe La Boucherie aujourd'hui représente 160 restaurants, 3 enseignes, 130 restaurants sous enseigne La Boucherie, une vingtaine bistrots du boucher et 2 assiettes au bœuf, puisque nous venons de faire l'acquisition il y a un petit peu plus d'un mois à Gap Restauration de ces 2 enseignes, bistrots du boucher et assiettes au bœuf. L'actualité est déjà importante parce que quand il faut intégrer 2 enseignes, c'est déjà un petit peu de travail, il faut remettre les équipes en place. Le siège, on l'a déménagé de Paris à Angers, donc ça demandait un petit peu de travail. L'export est quelque chose que nous allons continuer à creuser parce que les performances et les résultats des restaurants qui sont ouverts à l'étranger sont plutôt très intéressantes. Marrakech a ouvert il y a 3 semaines et fonctionne déjà extrêmement bien. Je dirais que nous avons rénové le concept il y a 18 mois, fait une acquisition récemment de nouvelles enseignes. Disons que la 3e étape sera une accélération à l'export vraisemblablement. Alors, en France, nous pouvons assez facilement continuer à développer. Certains de nos confrères ont plus de 300 restaurants et nous en sommes à la moitié. Donc, sachant que la consommation hors foyer continue de progresser très fortement, je pense que les perspectives de développement restent intéressantes. Nous avons ouvert récemment le Maroc et la Colombie l'année dernière. Nous avons des touches intéressantes sur l'Allemagne, l'Espagne et les États-Unis pour cette année. Donc je pense que le monde est beaucoup plus grand que la France et que nous avons là en l'occurrence des perspectives de développement très intéressantes compte tenu du fait que la gastronomie française à l'étranger est extrêmement bien perçue et que les concepts sont assez facilement duplicables. L'avantage que nous avons par rapport à certains de nos confrères, c'était de garder ce côté un petit peu franco-français, très terroir, traditionnel. Et la boucherie et le bistrot, en tout cas, sont parfaitement sur cette connotation. Et puis, l'assiette au bœuf est un produit beaucoup plus féminin qui permet également à une clientèle un petit peu différente de pouvoir venir déjeuner dans nos restaurants.